nouveau roman de Robert Zeitaler, qui paraîtra lui en octobre, qui s'appelle « Une vie entière ». Dans son précédent livre, « Le tabac Trezniak », on assistait à l'arrivée à Vienne d'un petit jeune homme qui faisait son éducation dans la Vienne de la fin des années 30. Dans Une vie entière, c'est le mouvement inverse qui s'opère. On est toujours dans les années 30, mais c'est un jeune garçon orphelin qui quitte la ville pour être adopté par une espèce de rusto dans la montagne. Ce qui se passe dans ce livre, c'est la trajectoire rectiligne d'un enfant qui se construit lui-même et qui, tout seul, au contact avec la nature, découvre les vraies valeurs de la vie. Et c'est un livre absolument merveilleux qui se lit comme une parabole, un peu comme un livre de Eri De Luca, dans cette limpidité de la langue et cette foi en l'homme qu'a Robert Zeitaler en disant « quelles que soient les origines et quelles que soient les difficultés d'une éducation, on peut s'en sortir ».